Alors juste si vous regardez, on a fait une petite coupe du manteau neigeux là. Bon, on a la croûte dessus là qui se tient un petit peu des fois. Quand on marche, ça fait crunch. En dessous, vous avez de la neige ici, très froide. Hein, qu'on va appeler de la poudreuse communément. Alors après, ça ne veut pas dire que cette neige-là, quand elle est tombée, le jour où elle était tombée, elle était très, très poudreuse comme ça. Il faut imaginer que la neige, quand elle tombe, elle va se modifier en fonction des conditions météo extérieures. Typiquement, il y a du vent, elle va être compacte. Il n'y a pas de vent, elle va rester fraîche et légère. Et par contre, en fonction de la météo qu'il va faire une fois que la neige est tombée, et des couches de neige qu'il y a dessus ou dessous, elle va quand même se transformer. Typiquement, on a une couche qu'on n'aime pas trop, nous, qui s'appelle les gobelets. Tout simplement, ça fait des espèces de faces planes, vous imaginez des dominos. Ça, c'est un phénomène qui va se faire soit quand il fait très froid en extérieur et ça va se faire à la surface de la neige. Donc voilà, donc ça fait des faces planes comme ça. Et ce phénomène-là se passe aussi en profondeur. C'est-à-dire que s'il y a une différence, une grosse différence thermique entre dehors et dedans, ça va quand même. Il y a des mouvements thermiques qui vont se créer dans le manteau neigeux et les flocons de neige vont prendre une espèce de phase un peu plane comme ça. Alors ce qui est pas cool, c'est que c'est comme des dominos. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une couche qui se tient, qui repose là-dessus et qui a de la pente, si vous cassez un endroit, ça fait écrouler tous les dominos. D'accord. Et vous avez toute la plaque qui part. Plie les jambes, 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 plie les jambes. Voilà, là elles sont pliées. J'entendais pas. J'ai répété 20 fois. Oh la belle, c'est bien. Quelqu'un descend.